population au courant de ça que des moun a fait comme activité criminelle qu'elle relait faux et usage de faux. Donc nous t'étais à ce que pour nous mettre la presse au courant de ça. Je veux dire là nous gars ça côté que si m'a montré nous là la preuve des moun qui utilisait quatre premières dames là et il y a besoin des fausses cartes, yo même fausses signatures pour yo arriver soutirer l'argent dans le ministère et aussi dans des institutions autonomes du pays. Alors, c'est important pour moi pour me faire ça. Si par exemple nous gagnons d'autres questions, moi prêt oui, pour moi répondre. C'est qui est qui peine et nous ça menace mon salaire si toutefois la justice a dû effectivement coupable de faire ça. Très bien. Nous gagnons et un régime de sanctions, régime sanction pénale là, il prévoit entre les articles donc 114 et suivant code pénal qui traite question faux et usage de faux. Dans ce cas, automatiquement, yon moun tombe dans kasayo, ou risque des peines de travaux forcés à temps et pourquoi pas et même des peines de travaux forcés à perpétuité. Ça dépend des cas, de gravité cas. Dans cas comme ça, nous avons des moun là qui risquent de condamner de 9 ans jusqu'à 15 ans de prison. Est-ce que vous avez un bon rapport à Palais National? Comment vous faites privé joindre quatre professionnels pour les dames? Bon, écoutez, lui j'ai fait que mon dans Palais National pour être joindre quatre dames, parce que mon avis bien accès, parce que un monde qui vient dans Palais National capable de gagner quatre premières dames, il doit tout décider, il ne peut pas connaître. Un monde qui a demandé le quatre comme première dame, il partage quatre. Maintenant, mon avis doit distribuer, il doit faire fort, il doit utiliser le connier, il fait d'autres quatre qui sous nos premières dames, mais qui t'a gagné rapport avec vraiment quatre compétences, la vraie quatre compétences pour les dames. Ça me relève l'original, quatre original pour les dames. Et c'est dans le cas ça que nous y est là. Donc, je ne peux pas dire que nous sommes obligés à travailler dans le Palais National, parce que je ne peux pas dire que nous biaisé enquête moyen. Et l'important tout, pour ne pas obliger que nous courir cité non. Donc, je ne peux pas dire est-ce que nous sommes dans le Palais National ou non, mais c'est des gens qui utilisent des associations fictives et vous faites des fausses capes sous nom cap original premier dame nan, pour y aller soutirer de l'argent dans des institutions de l'État. Par exemple, premier cas que nous avons là, c'est des cap Konatel, côté que de moun cap marché à de l'argent. Et nous avons tout d'autres institutions, d'autres ministères qui sont en sous-enquête déjà, sans que nous ne pas révéler nos noms là. Pour ça pas créer problème à enquête qui m'a mené. Et actuellement moi gagne deux monde qui m'a arrêté toujours et yo n'a pas clair mais n'a permettre que m'pa ba nous identité yo pour m'capable protéger en arrêté déjà dans Konatel. C'est suite à information que paquet a te gagné de Konatel étant et te rendre sur les lieux en urgence. Et actuellement, nous commençons à arrêter les gens et parmi eux, nous avons deux qui déjà nommé la justice. Oui, c'est ça, on dit, oui, c'est quatre de visite. Première dame, non. Voici la carte originale de la première dame. Voici la signature originale de la première dame. Et voici la fausse carte qu'on a utilisée, qu'on a fabriquée. C'est ce qu'on appelle la fabrication de faux et usage de faux au préjudice des officiers de l'État haïtien, dont la première dame de la République, Madame Martine Moïse.